Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé à leur place? Je ne l'aurais pas manqué, moi. On en serait débarrassé maintenant. Un seul coup de feu m'aurait suffi et je t'aurais ramené son cadavre. C'est peut-être le tien qu'on m'aurait ramené. Tu n'es qu'un idiot, Jeffrey. Ah oui? Et toi, tu es très malin, mon frère. Comme tous les sangs mêlés, hein? Oh! Prends garde à ce que tu dis, Jeffrey. Je ne permets à personne de me traiter de bâtard. Hé! Hey, regardez! Chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10h. Pourtant, j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde! Oh, tu m'en tailles! Tu m'en fous! Oh, je suis fou! Oh, prostitue! Oh, ton cul, ton cul! C'est mon génie! On part à l'aube. Les gouvernementaux seront là d'un moment à l'autre. On reparlera de ça demain. Polak. Toi qui es savant, dis-moi qu'est-ce que ça signifie exactement se mettre à faire la révolution. C'est difficile à expliquer. Imagine que la tête, ce soit les riches, ils commandent. Ils font travailler les autres. Les pauvres. Et que les fesses, ce soit les pauvres. C'est la partie inférieure. Donc, disons en fait que faire la révolution, c'est comme tenter de rejoindre deux parties, en les nivelant. Ce serait bien beau, tout ça. Et ce serait possible de joindre la tête et... En fait, c'est impossible. Parce que tu le sais sans doute, entre les riches et les pauvres, entre la tête et les fesses, il y a le dos. Je vois ça. Alors je reste avec les pauvres. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Hey, salut les kids. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans les studios de Canal B qui pisait pour une émission, comme on a l'habitude de la nommer, catalogue. De temps en temps, ça fait du bien, ça veut dire qu'on n'a pas trop bossé. Ça veut dire qu'on n'a rien foutu, surtout moi d'ailleurs, parce que toi t'as bien bossé quand même. Alors, bien bossé, c'est-à-dire qu'on a quand même vu des choses, on n'a pas forcément fait le travail à côté. Hein, pour on n'a rien à dire, mais voilà, en fait, mais on va vu quand que même la plupart remplir, des émissions de radio, elles n'ont rien à dire, on s'est dit, mais pourquoi pas nous? Voilà, on a fait on a suffisamment de boulot derrière nous. Hein, on peut se permettre. On peut se permettre, et puis il y a quand même une actualité et des choses qui nous intéressent, pas suffisamment au point d'en faire des émissions spéciales, ou justement parce qu'on n'a pas envie non plus d'y passer trop de temps, de trop travailler, ce qu'auraient pu mériter certains des sujets de cette émission malgré tout. On commencera avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, puisque nous parlerons du dernier film de Darren Aronofsky, The Whale, qui ne méritait absolument pas qu'on fasse une émission spéciale à son sujet. Nous vous évoquerons aussi quelques westerns italiens grâce à la ressortie en Blu-ray chez Sidonis de deux films de Corbucci, à savoir Navarro Joe et surtout El Mercenario. Et puis, si on a le temps, j'aimerais bien dire un petit mot des mémoires de Lotte Eisner, qui aurait mérité peut-être justement que je lise ses bouquins. Quelle ambition quand même. C'est vrai, mais j'ai lu ses mémoires, j'ai pas lu les trois bouquins qu'elle a écrits sur le cinéma. À mon âge, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis on verra s'il nous reste
reste un peu de temps pour que tu nous évoques quand même les séries que tu as regardées, puisque tu as passé les trois dernières semaines à regarder des séries télé. Alors, pas que quand même, les auditeurs me connaissent, ils savent que j'aime pas trop les séries, mais j'en ai regardé au moins deux, et enfin quasiment deux en entier. Et j'avais aussi mon petit point cinéma français, mais vu qu'il y a que des trucs qui m'ont fait chier, mais je peux en parler quand même. Mais bien évidemment, mais peut-être qu'on va voir, on va trouver le temps bien évidemment d'évoquer tout ça. On s'étalera pas plus qu'il n'en faut sur le dernier film de Darren Aronofsky dont je parlais, qui a reçu donc cet Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser, tout à fait mérité d'ailleurs, hein, parce que Brendan Fraser est très très bien dans ce film. Beaucoup. Je l'ai pas vu moi. Tu l'as pas vu? Non. Alors, j'ai pas envie de défendre ce film. D'ailleurs, je suis pas là pour ça. Je suis pas avocat ou procureur ou quoi que ce soit. Le fait est que, alors Aronofsky, on en a assez peu parlé. Le fait est que déjà que ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas fait de film, donc évidemment, on n'avait pas l'occasion d'en causer. C'était Mother que j'avais même pas été voir parce que ça m'intéressait pas. Et en plus, il y avait Jennifer Lawrence dedans et ça m'intéressait encore moins. Et c'est vrai qu'il met de plus en plus de temps à faire ses films. Hein. C'est problématique. Je rappelle quand même pour ceux qui l'ont oublié qu'au début des années 2000, il avait quand même sa petite mention, on va dire, pour avoir réalisé notamment Requiem for a Dream, qui avait fait son petit effet. Et puis, il était revenu sur le devant de la scène aussi avec deux films que j'avais trouvé abominables, qui étaient The Wrestler et Black Swan, qui avaient eux aussi eu leur quand même petite gloire, notamment critique, mais le public avait apprécié ça. Et la petite peut-être chose intéressante quand même que nous on n'avait pas trop évoqué dans cette émission, c'était le Noé et notamment sa séquence finale, hein, comme tu me l'avais vendu, Mel Gibsonienne. Sinon c'est vrai que c'était quand même du nanar. Ouais. Ouais, on peut mais c'est ce qui est intéressant aussi est bien, ouais. Avec Aronofsky, hein, c'est justement comment il va être sur une corde raide et puis il va basculer quand même assez régulièrement. C'est ce qui rend son cinéma intéressant. Et c'est vrai que The Well. Et donc ses ratages sont beaucoup mieux que ses réussites. Bien sûr. Alors c'est plus intéressant. Mieux, je sais pas sûr. C'est plus intéressant. Ben moi j'aime bien Mother par exemple. Quoi. Voilà, moi j'en ai assez peu de souvenirs en fait. Et c'est vrai que The Whale, étant donné, moi j'ai quand même vu tous ces longs métrages à ce monsieur, à ma grande surprise, peut-être parce que j'en attendais absolument rien, m'a tenu en haleine, m'a touché par sa... Touché, c'est un grand mot quand même. Mais m'a plu par sa sobriété, en fait, de mise en scène. C'est-à-dire qu'il a laissé tomber un peu sa caméra qui bouge dans tous les sens pour donner une sensation peut-être de tension ou de rythme complètement factice qui me vraiment m'agaçait profondément dans ses précédents films. Là, on a une caméra posée qui va avec l'aspect très théâtral du film puisqu'il est adapté d'une pièce et qu'en effet, c'est un huis clos avec donc un personnage obèse qu'on va suivre... Enfin, plus qu'obèse, qui est en train de mourir, qu'on va suivre pendant les derniers jours de sa vie, en essayant lui de recoller les morceaux, les derniers petits morceaux qui lui tiennent à cœur, notamment sa relation avec sa fille qu'il a abandonnée parce qu'il voulait vivre son histoire d'amour homosexuel avec quelqu'un qui est mort lui aussi et qui appartenait à une secte. Ce genre d'événement quand même, qui ne m'intéresse pas particulièrement, mais en effet, il était suffisamment sobre pour me donnait envie de savoir comment il allait terminer son histoire, en espérant de plus profond de mon corps qu'il ne terminerait pas justement comme il le fait à peu près pour tous ses films, à savoir par du baroque qui ne mène pas à grand chose, mis à part qu'il déverse, lui, j'ai l'impression, une espèce de vomi qu'il a dans le crâne. Hein. C'est l'impression que ça m'a donné, ouais, avec Mother. De vomi transcendantal dans le cas d'Aronofsky un peu. Quoi. C'est ça. Et on garde une petite touche quand même avec The Whale. Hein. Je ne vais pas aller divulgâcher quand même le dernier plan. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même malgré tout cette manière qu'il a de terminer ses films, hein, cette transcendantalité on va dire, mais cette sobriété dans la mise en scène qui se résume un petit peu à des plans larges, champ contre champ en fait, m'a plutôt plu et m'a permis de vouloir voir comment ça allait se terminer tout ce bousin. Alors évidemment il ne me restera pas grand chose et bien sûr j'aurai beaucoup de mal à défendre plus que ça ce film, mais à la différence de ces 5 derniers, eh ben, j'ai eu envie de le regarder en entier. Bah, écoute, ouais, moi après je pense que pareil, j'ai eu mon rapport avec Aronofsky, ouais, c'est que j'ai vu tous ses films, hein, de toute façon, et pareil, et je garde un souvenir assez fou de la projection de Requiem for a Dream quand je l'ai découvert, hein, bien dans une grosse avant-première, il me semble, avant sa sortie, et d'avoir une impression, jeune étudiant au cinéma, d'avoir vu un truc incroyable. Et la dernière ça fait fois partie que... des films que je ne veux pas revoir. Bah oui, mais en fait, moi, je veux pas. Je l'ai revu, j'ai essayé de le revoir il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait, j'ai tenu 15 minutes. En fait, c'est insupportable, quoi. C'est nul, quoi. Et effectivement, c'est quand même quelqu'un qui, moi, me pose de sérieux problèmes sur plein de niveaux, hein, non seulement aussi dans sa façon d'émuler certains styles
style, son côté un petit peu petit malin. On est beaucoup revenu là-dessus à chaque fois qu'on a parlé un peu de son cinéma et de lui et de d'autres personnes, hein, d'ailleurs, de la même génération. Mais c'est vrai qu'autant The Wrestler, j'avais l'impression que c'était une émulation du style des Dardenne, autant Requiem for a Dream, c'était une sorte de d'émulation de petits effets de montage à la Scorsese. Et puis voilà, de The Fountain, une émulation de d'autres trucs. Enfin, il y a un côté très 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 maniériste chez lui, enfin très à la manière de moi qui m'énerve. Et puis surtout, et je trouve que humainement dans le fond, c'est qu'il y a un truc qui me gêne chez ce type là dans sa façon de voir le monde, quoi, et qui m'a, moi en tout cas, irrité dès le début de The Well, quoi. Enfin, je pense que dès le début de The Well, je me dis, oh putain, le film, c'était viscéral. Il y a un truc qui me posait problème dans le regard qu'il pouvait porter sur son personnage principal, quoi. Et donc j'avais l'impression, en fait, qu'il est moi, la sobriété, je l'ai pas vu, en fait, dans The Well. C'est vrai que toi tu m'avais dit auparavant, non c'est pas mal, c'est assez sobre, mais moi je peux pas, c'est pas avoir... si pire. Ouais, mais en fait moi au contraire, j'ai l'impression de voir, ouais, la sobriété en termes de mise en scène, en termes de, oui, pas de mouvement de caméra, pas d'effet de montage trop voyant, pas de d'envolée, on va dire, un petit peu baroque comme dont on peut être habitué chez lui, non, pas de d'émulation à la Dardenne de caméra qui bouge comme dans The Wrestler, qui pourrait paraître sobre aussi, mais dont on, si on regarde un peu la mise en scène, non, pas vraiment. Là moi j'ai l'impression que oui, il y a cette grosse effet spécial qui est en plein milieu du cadre à chaque fois, c'est Brendan Fraser dans son costume de gros là, et moi, rien que ça, dans le rapport qu'il a, même en termes dans sa façon de le filmer, comme si c'était un monstre, mais même dans son échelle de plan, il le prend en charge, il est directement catalogué comme ça, il est d'abord un monstre avant d'être un personnage, et dans la dramaturgie, dans les premières scènes, tu te dis, mais c'est pas possible de capter son premier personnage d'une position comme ça, aussi pareil, monstrueuse, hyper gênante et tout. Je me dis, oh putain, là il y a un truc un peu mondo trash qui là va me gêner pour après. Ou soit il va vraiment là-dedans, dans le truc mondo trash, le truc je vais vivre ma vie d'obèse et puis un truc vraiment dégueulasse et pourquoi pas. Mais quand après il te cadre sur le regard de Brendan Fraser qu'on capte derrière le costume, qui est embué de larmes et qui va essayer de capter une sorte d'émotion, ben là moi je veux dire, oh putain, là il va pas c'est pas possible de marier les deux trucs là, enfin de marier les deux trucs là, en tout cas ça, il arrivait pas à les articuler. Ou moi, en tout cas, il y a un truc qui me choque dans en matière de regard, et que je relis vachement avec ce qui peut me poser problème au niveau, on va dire, ouais, à la fois cinématographique et philosophique avec Aronofsky. C'est, oui, j'ai l'impression que lui, des fois, c'est à la fois le quelqu'un de qui veut montrer absolument. Enfin, il y a un côté vraiment de la monstration chez lui, hein. The Fountain, un truc New Age où on se dit, bah tiens, ouais, si le cinéma il est capable de figurer la création de l'univers à travers un arbre et tout ça, et tu dis, oui, c'est ridicule. Et à la fois, lui, il cherche la transcendance, dans le sens où voilà, il faut montrer, mais en même temps on va montrer à fond quelque chose, mais pour montrer que derrière, en fait, il y a une sorte de transcendance, justement, d'une sorte de dame éternelle, de quelque chose de l'ordre de l'invisible qui va se dégager de ça. Moi, dans la façon dont Aronofsky est toujours dans la monstration et dans le côté très très lourd, symbolique, et là dans le cas de The Well, dans le côté, voilà, je vais prendre en charge ce corps-là, je me dis, putain, il n'y a aucun moment, à part d'un pur ressenti, on va dire, intellectuel, genre, bah oui, je vois que dans les dialogues, dans les propos qui sont mis en place entre les différents personnages, oui, le mec recherche une sorte d'absolu et tout ça, je le comprends intellectuellement, mais à aucun moment je me dis, dans le film, c'est pris en charge, quoi. Et donc, qui fait que, comme souvent chez Aronofsky, dès qu'il va aller il veut toucher la transcendance, et ben c'est complètement ridicule. Dans The Mother, c'est ridicule. Dans The Fountain, c'est ridicule. Dans Requiem for a Dream, à la fin, quand il y a une sorte de rédemption qui va être touchée par les sortes de destruction des corps, et ben c'est ridicule. Ça marche pas. Et donc je me dis, oui, bon, bah le mec, on le sait, il a un rapport assez compliqué avec sa foi, mais moi j'ai pas l'impression qu'il en fait quelque
quelque chose de très intéressant dans ses films, quoi. Et contrairement à d'autres cinéastes qui sont habités par la foi, Mel Gibson, on te salue, ou même Scorsese par moment, ou d'autres cinéastes, Ferrara évidemment, voilà, ouais. Lui, je me dis, mais oh, c'est pas possible, il y a un vrai problème, quoi. Alors, évidemment, je suis d'accord avec toi sur ce dernier point. En revanche, je voudrais me faire l'avocat du diable sur quelque chose qui me semble fondamental dans ce que tu viens de dire, à savoir la représentation de ce personnage comme monstrueux. Et je pense que ce qui m'a justement permis d'accepter la mise en scène et l'histoire même d'Aronofsky, c'est l'impression justement qu'il n'allait pas chercher le trash, en fait. Évidemment, il a un personnage qui peut être perçu comme monstrueux, c'est-à-dire qu'il est obèse, il peut à peine se lever. Et il aurait pu, enfin en fait je m'attendais justement de la part d'un personnage comme Aronofsky qui va aller, il discourt sur évidemment la foi, mais il discourt aussi sur le spectacle, c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment dans The Wrestler et dans Black Swan, et je m'attendais à quelque chose dans le même goût, en fait, en reprenant en plus un acteur qui avait disparu, en remettant sur le devant de la scène, comme il a pu le faire avec Mickey Rourke. Je m'attendais justement à une mise en spectacle obscène un petit peu de ce personnage. Et je l'ai pas eu. On a quelques détails évidemment sur son mode de vie, et du coup qui donne une idée de comment est-ce qu'il s'est rendu obèse. On a un ou deux plans quand même sur de l'intimité, on va dire. Il se nettoie par exemple, ce qui nous permet quand même d'y croire. Enfin, je pense qu'il est, je me fais à l'avocat du diable quand même, hein, mais qu'il a trouvé un juste milieu sur la représentation de ce personnage hors norme, en fait. Oui. Et je me suis dit plusieurs fois que, par exemple, ce qui aurait pu me choquer, ce que j'aurais pu trouver dégueulasse, c'est s'il l'avait fait même sortir, en fait. S'il avait voulu montrer quelque chose de vraiment cracra, si vous voulez, dans le trash, le faire sortir de chez lui, son personnage, lui faire descendre des escaliers, des choses de ce genre, en fait. Ça aurait été vraiment. Et là, j'ai eu l'impression quand même qu'il avait trouvé un juste milieu, à la fois pour, en effet, il a un personnage monstrueux. Il faut nous faire comprendre ce personnage, il faut nous faire accepter l'existence de ce personnage, de comment est-ce qu'il a pu devenir comme ça. Sinon, on lui aurait reproché justement de cacher tout l'aspect, dégueulasse de cette vie, et de montrer un personnage, je ne sais pas, sous un jour complètement glorieux et magnifique. On aurait pu reprocher ça sinon à son film. Donc c'est vrai que c'était de toute façon casse-gueule dès le départ. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'est vrai, ça va à l'inverse de mon ressenti. Moi, je pense que des fois, le film, il pêche par excès de pudeur, parce que scénario est vraiment dans l'idée de montrer que cet homme-là est habité par des sentiments à la fois transcendantaux et puis à la fois des sentiments, que ce soit l'amour filial, l'amour déçu suite au décès de son compagnon. Et puis il est suicidaire. Et puis il alterne avec des scènes purement physiques, on va dire, de la chair même, où il faut nous rappeler au spectateur que, ce corps-là est vraiment là. Et en fait, je me dis, mais en fait, à aucun moment... Un corps qu'il cache lui-même, c'est-à-dire qu'il commence... Le film démarre comme ça, justement. On nous montre, donc... Sans le cacher, voilà, il habite dans un appartement ouvert, voilà. Le film s'ouvre sur, en fait, il donne des cours via Internet, et justement, il y a des images de tous ces étudiants en visio, machin, et lui, sa caméra est coupée, il se cache, en fait. Ça commence comme ça, le film. Oui. Justement, c'est un corps caché, et nous, on va le découvrir en tant que spectateur après, mais c'est un corps qu'il cache. Ouais. Ce personnage-là se cache. Oui, bien sûr, mais par contre, en termes de de notre point de vue, oui, effectivement, il n'est pas caché, parce que c'est quand même, il est filmé comme... Évidemment. Comme un... En fait, pour moi, il n'y a pas de dialogue, dans le film. Le film n'arrive pas à installer un dialogue entre le regard de Brent Fraser, qui est toujours embué de larmes et qui est un peu éberlué, et ce corps qui est une sorte de grosse masse. Donc il y a à la fois ce regard qui est vraiment la fenêtre sur l'âme, machin, et puis la présence corporelle, la présence terrestre maximale qu'on peut avoir de la chair. Et pour moi, je me dis, il y a aucun moment il arrive à faire dialoguer les deux. Il y a une scène où il y a le corps qui est là, et après l'autre scène où c'est le registre en tant que spectateur, on va avoir accès à autre chose. Ça, je suis d'accord. Moi, je me dis, mais c'est assez aberrant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un manque de cinéma à un moment, justement. Ce que je ressens, ce que je reprocherais même le plus, et je pensais pas dire ça un jour d'Aronofsky, c'est l'aspect extrêmement théâtral, justement. Ouais. Et je pense que justement, il a oublié presque, il a voulu tellement aller
il a tellement voulu peut-être se freiner qu'il a oublié qu'il pouvait faire du cinéma. Je suis pas sûr qu'il était capable de le faire avant. J'ai pas revu ses films, mais en effet, ça manque de cinéma. Comment lier ces deux aspects, un peu de dialectique ça ne fonctionne absolument mais pas. Mais je pense que c'est amusant parce qu'en fait, je pense que il y a ce côté chez lui où tout le film il s'articule aussi sur la première scène sur cette idée de la dissertation dont on va deviner à la fin qu'il a écrit par sa fille qu'il y a une dissertation qu'elle a écrite très jeune où il dit il fait une truc sur Moby Dick où on y lit que voilà moi les moments interminables de la chasse à la baleine m'ont un peu emmerdé et ça m'a rendu d'autant plus triste que parce que je me rendais bien compte c'était un moyen de l'auteur d'éviter de parler de sa tristesse de sa vie quoi. Et je me dis mais en fait le film pour moi il fait un peu l'inverse quoi. C'est-à-dire que pour moi Aronofsky je l'attends sur le terrain de l'obscénité en fait quoi. Je l'attends un peu sur ce terrain là à la limite moi c'est pour ça que Mother jamais peut-être que j'irai revoir ce film là mais le film m'intéresse pour son côté baroque et ce côté tout comme The Funeral je lui dis ouais bah, ils sont pas nombreux les cinéastes qui vont dans un registre hyper symbolique un peu trash un peu baroque visuellement assez riche en mise en scène et tout ça enfin ils sont pas nombreux c'est pas très intéressant pas nombreux tu sens qu'il perd le contrôle il a l'impression de perdre le contrôle il se donne l'impression de perdre le contrôle mais c'est pas intéressant au final mais en tout cas voilà c'est là où il y a une sorte d'originalité on va dire de Aronofsky dans le paysage du cinéma américain contemporain dans Wessler quand il se pique de se dire bah moi je vais vous faire un truc important et je vais affecter d'être sobre je me dis non moi pour moi et du coup le film effectue le trajet inverse de ses dissertations c'est que se dire mais en fait le mec il fait que de filmer la vie d'un mec triste alors qu'il veut filmer pour cacher son admiration pour les baleines parce que c'est ça qu'il branche quoi lui je pense qui l'intéresse au plus profondément voilà c'est ce corps monstrueux mais évidemment moralement même il peut pas filmer ça alors que Mother c'était intéressant parce que justement le film on l'a taxé de misogynie mais parce que voilà il va et c'est une sorte de fenêtre si le film avait été réussi on pourrait dire c'est une fenêtre ouverte sur l'inconscient d'Aronofsky bon le film il n'est pas réussi à ce point là mais le fenêtre ouverte sur l'inconscient on sait ce que ça peut donner c'est affreux il peut y avoir des tas de trucs dégueulasses et tout ça Mother moi m'intéressait parce que je lui disais ouais il pourrait y avoir un truc intéressant là-dedans bon bah tout est trop intellectualisé machin mais bon voilà je pense que c'est en ça où moi je me dis le film est malhonnête profondément. Il est temps d'arrêter quand même, on va pas passer trop de temps sur Aronofsky. Par contre, je t'invite à présenter ce qu'on va écouter. Bah, oui. Tu as travaillé longuement avant qu'on fasse cette émission sur un montage, ma foi délicieux et tout à propos. Et délicieux et peut-être un petit peu éprouvant, mais moi forcément, comme n'importe quel esprit un peu pervers et nourri à la comédie dégueulasse des années 90, aussi en tant qu'ancien gros et ayant des amis gros, j'adore la grossophobie. Et donc forcément, dans la comédie dégueulasse des années 90, il y a un très bon film qui se pique d'être anti-grossophobe parce qu'il s'agit de Professeur Folding de Tom Shadyac il me semble tout le monde avait avec oublié, Eddie Murphy je suis ravi que tu ravives ce alors souvenir. Il me semble que c'est j'espère que je me trompe pas sur le nom du réalisateur mais moi c'est un film qui me faisait hurler de rire quand j'étais ado mais j'étais déjà plus gros mais par contre qui m'a toujours fasciné parce que ça me faisait très rire et puis à un moment dans les années 90 je me disais c'est horrible parce que c'est un film qui se pique d'avoir un discours qui dit voilà c'est pas bien de se moquer des gros mais qui fait que de trouver des blagues pas possible sur les gros qui sont hyper drôles et en fait bah, ce truc de mauvais esprit des années 90 me manque et donc on a quelques extraits de Professeur Folding de Tom Shadyac avec Eddie Murphy en VF évidemment. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Ah, je me sens une de ces pêches ce soir, mon coureur. Je vais vous ramasser. Mais c'est la pleine lune, les mecs. Oui, c'est là que doit être planqué le cadavre de Jimmy Hoffa. Excusez-moi. Oui, elle est vraiment bonne. Oh putain, il en faut des paix pour imaginer un pétard comme celui-là. Le mec, il est tellement énorme, quand il fait un tour complet, il a un an de plus. Quand il veut mettre sa ceinture, il lui faut un boomerang. Ah là là, ça va, maintenant je crois que ça va. Je
crois que j'ai eu ma dose. Oh non! Non, non, je vais pas en rester là! Est-ce que je me le fais? Oui! Est-ce que je me le fais, ce mec? Oui! Oh, regarde-moi ça, il est venu avec une bonne femme! Oh là là! Lequel des deux suce les nichons de l'autre? Moi, je me le demande! En fait, ce mec a une toute petite bite. Ah si, je te jure. Il lui faut une pince à épiler pour la sortir quand il pisse. Coucou. Oh putain, une pince à épiler. Une pince à épiler. Eh oui. On a l'air excité, celui-là. Regarde-le. Regarde-moi un peu celui-là, mais mate-le. Je peux plus respirer. Excuse-moi, mon pote. Putain, mon frère.
S'il te plaît, t'as failli me tuer là, putain. Je me suis fait du bouche à bouche à moi-même. Ce serait mieux que tu me laisses finir avant de te marrer. Excuse-moi, c'est toi, t'es trop marrant. C'est trop marrant, ta façon de choisir un petit défaut d'un spectateur et de nous faire marrer avec. C'est géant. Tu sais, par exemple, tu te prends un mec, tu dis, t'as vu ses pieds? Tout le monde regarde et se marre. Moi, je m'étais jamais tant marré. Tu vas aller loin. Tu atteindras les sommets. Tu réinventes le métier de comique, mec. C'est génial. Maman, merci, je te remercie beaucoup, tant mieux si t'aimes ce que je fais. Ça marcherait même si je le faisais à toi, Reggie. Oh tiens, mettons que je dise, regardez les dents de ce pauvre garçon. Vous croyez pas que sa mère s'est fait monter par un cheval? Tu vois, ils se marrent tous. Parce qu'ils imaginent le truc, une écurie, ta mère avec le bourrin, le bien nommé. Oh, t'as vu un peu ce que je fais, Wilbur? Regarde bien. Tu veux niquer mon numéro? Oh, bouffon! Tu veux me casser la baraque? C'est tes dents, Reggie! Moi, je sais pas si je dois sourire en les voyant ou marquer un but entre les poteaux! Hé, hey, Reggie! Sans rancune! On est là pour rigoler! Hé, hey, mon vieux! T'as une allèle de chiottes! Je la sens d'ici! Reggie! Tu pues tellement de la gueule qu'on préfère quand tu pètes! On dirait que ça sent la... Vous sentez pas une odeur de merde, là? Ah, si, 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 ça sent la merde! Oh, et là, t'es allé trop loin, bouffon! Putain, j'étais prêt à fermer ma gueule, vu que les blacks les aiment bien. Mais il m'énerve, lui, même s'il est black. Alors on y va! À l'attaque! Et là, je vais pas prendre de gants. Tu me fais peur, arrête! Peut-être bien que le moment est venu que je touche un peu à ta maman. Oh, oui! Fallait pas que tu me cherches, parce que maintenant, on va parler un petit peu de ta maman. C'est toi le patron, Reggie! Ta mère est tellement grosse! Que quand elle va au ciné, ils lui font payer le tarif de groupe et toc. On se fait les blagues de gros. On y va sur les gros. C'est parti. Ta mère est tellement grosse. Elle a besoin d'une carte routière pour trouver son trou de cul. Eh oui. Attends. Ta mère est tellement énorme, je l'ai baisée et après je me suis retourné deux fois, mais j'étais toujours sur elle. Ta mère est tellement grosse, elle tombe dans le Grand Canyon, elle reste coincée. La mère de Reggie est tellement grosse qu'elle se fait peindre les ongles des pieds par un peintre en bâtiment. Un peintre en bâtiment. Tu veux pas retourner à ta place et me laisser faire mon boulot? Vous savez, la mère de ce pauvre Reggie est tellement grosse que son groupe sanguin tient pas dans un autocar. Attendez, c'est pas tout. La mère de ce pauvre Reggie est tellement énorme qu'elle fabrique ses tampax avec des bouts de moquette. Tu y es? T'as pigé? Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le cul de la maman de Reggie, son comique d'office, qui nous a bien fait rigoler. Hein, qu'on se marre avec lui? Ça suffit! Ferme-la! Merci Antonin pour ce savoureux montage et ce retour dans les années 90 à cette bonne époque où on pouvait encore parler et dire ce qu'on avait à dire. Merci en tout cas. On a pu entendre aussi au milieu de ces extraits dégueulasses une magnifique musique, une très très belle musique. C'était extrait d'El Mercenario de Sergio Corbucci, musique composée par Ennio Morricone qu'on retrouvait d'ailleurs dans le Kill Bill de Tarantino qui a souvent cité ce film. En fait, on retrouve aussi l'affiche dans Once Upon a Time in Hollywood, par exemple, quand elle va au cinéma pour regarder son film, et ben le film qui est projeté à côté, c'est. Enfin, bref, il y a beaucoup de. Il est cité 2-3 fois dans des autres films aussi, je crois. Ce Il Mercenario de Corbucci, qui ressort en Blu-ray chez Sidonis. Lui, comme Navarro Joe, avait déjà eu le droit à une sortie DVD il y a une quinzaine d'années maintenant, je crois, chez Whiteside. C'est comme ça que j'avais pu découvrir ces films-là, notamment Il Mercenario, qui était le premier, je pense, western italien bien ancré à gauche, hein, qui parle justement de révolution, que je pouvais voir. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas encore mis le nom, par exemple, de Corbucci, je connaissais vaguement quand même, mais il y avait un nom que moi, j'avais pas mis sur une carte et dont on a parlé, nous, il y a quelques émissions, c'était celui de Franco Solinas, qu'on a évoqué il y a quelques temps, pour ces scénarios notamment de Quemada et de la bataille d'Alger, hein, de Pontecorvo. De Monsieur Klein également. Voilà.
voilà, et de Monsieur Klein également, merci. Et je citais Pontecorvo parce que c'est lui qui, à la base, devait réaliser justement ce scénario de Salinas, qui devait pas être un western du tout. Et c'est vrai qu'on retrouve, on a parlé de Quémadin, donc avec Marlon Brando qui était sorti, lui, chez Rimini, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est voilà. Ça. Et voilà, Quémadin, enfin, Pontecorvo, maîtrisant pas le western, avait décliné la proposition de réaliser ce film qui s'était transformé en western après une réécriture. Et c'est donc Corbucci qui avait déjà quand même œuvré dans le western, puisqu'il était l'auteur notamment du Django, hein, et de. La même année d'ailleurs, Le Grand Silence, qu'on avait évoqué aussi il n'y a pas si longtemps que ça dans une émission. Tous ces films-là d'ailleurs sont disponibles en Blu-ray, notamment dans la collection de Torrey chez Studio Canal Make My Day. Bref, j'étais ravi puisque j'ai revu ce film In Mer Scenario hier soir. Et hier soir, pour ceux qui nous écoutent, pas en direct, puisqu'on fait pas cette émission en direct, c'était le 16 mars 2023, qui restera peut-être une date clé, puisque donc voilà, notre Premier ministre a balancé son 49-3 à l'Assemblée sous les voilà. Tout le monde connaît cette histoire maintenant. J'imagine les petits-enfants qui écoutent cette émission dans 20 ans, tu sais. Oh, le 16 mars 2023, c'était terrible. Et voilà. Et ben moi, du coup, je ne suis pas allé manifester à Place Sainte-Anne comme tous les Rennais qui n'en veulent. J'ai regardé un film de Corbucci chez moi qui aurait pu s'intituler « Apprends-moi à faire la révolution ». Et voilà, comme je disais, on retrouve beaucoup de thématiques qui sont présentes dans le Quémada. Et donc, c'est l'histoire d'un mercenaire polonais qui se fait engager par un péon qui a envie de lancer sa révolution mexicaine et qui va payer grassement donc ce polonais Franco Nero très terrencilien dans ce film pour lui apprendre. Ce qui est très, enfin, ce qui m'avait marqué, je pense, la première fois que je l'avais vu, et ça m'a refait ça aujourd'hui d'ailleurs, enfin hier soir, c'est qu'on découvre la première séquence du film, qui sera un flashback. On découvre ce péon révolutionnaire donc dans un cirque, dans une arène, mais il est grimé en clown et il fait tout un spectacle autour de la tauromachie. Et voilà, ce révolutionnaire voilà, fait un spectacle de clown, quoi. Et voilà, ça donne un peu, je trouve, le ton justement du film, qui est quand même beaucoup plus léger que Quémada et que le Grand Silence, hein, qu'il a pu faire la même année quand même. Il y a ce côté picaresque de Léon aussi qu'on retrouve un petit peu quand même dans le qui rend l'objet très attachant, rythmé, frais, comme un film de Léon, beaucoup moins justement âpre et dur, même si le discours en lui-même du film forcément est comment dire, et presque alambiqué en fait. Justement, il y a pas de bon révolutionnaire, il y a pas de il y a des méchants, hein, évidemment, hein, l'armée régulière n'a jamais le bon rôle quand même dans ce genre de film, mais voilà, on représente tout ça comme un spectacle justement et comme presque une marchandise en fait, et forcément c'est intéressant. Et juste pour je te laisserai peut-être, si tu veux évoquer ce cinéma là après la parole, j'ai enchaîné quand même aussi avec Navarro Joe, qui date de 2 ans avant, donc la même année que Django, 66, l'un des premiers rôles de Burt Reynolds. Et je voulais pas oublier d'évoquer quand même ce film-là qui m'a... J'avais pas eu cette impression-là la dernière fois que je l'avais regardé, il y a 15 ans. Mais je pense que ça a été une influence majeure pour Clint Eastwood. Navarro Joe, qui raconte l'histoire donc d'un Indien joué par Burt Reynolds. C'est absurde, mais on est en 66 et c'est déjà pas mal dans un film comme ça d'offrir un rôle principal à un personnage indien, même si l'acteur ne l'est absolument pas, qui voit donc son village décimé et qui va poursuivre évidemment les salauds qui ont décimé son village, qui va s'associer à un bled de bourgeois qui eux aussi ont besoin de protection pour justement aller se venger lui. Et donc évidemment l'introduction va faire penser à Josie Wells de Clint Eastwood. Et toute la suite fera plutôt penser à l'homme des hautes plaines du même Clint Eastwood, son premier western, puisque évidemment la présence de cet Indien, ses attaques dans la ville vont révéler beaucoup de mauvaises choses chez les habitants. Et puis il y a des séquences comme celle du fouet par exemple, qui marquantes dans le film de Clint Eastwood, qui sont déjà présentes aussi dans le Navarro Joe de Corbucci. C'est vrai que c'est impressionnant, tu te dis en 66, d'avoir une telle violence d'ailleurs dans les films, un film qui a été censuré. Là il est présent dans sa version intégrale, on le ressent
par notamment l'absence de doublage. Hein. Donc il y a des séquences, notamment une attaque dans un train avec un bébé qui a été coupé, ce qu'on peut comprendre. Une séquence de torture Mel Gibsonienne quand même, voilà, christique même de Burt Reynolds, qui est très amusante. Et donc voilà, on reparlera, je pense, régulièrement de Corbucci, parce que je me rends compte en allant voir sa filmographie qu'il a commencé dans les années 50, qu'il a fini dans les années 80, qu'il y a quand même la majorité de ses films finalement que je n'ai pas vu. Alors peut-être qu'il y a du à boire et beaucoup à manger quand même là-dedans. Il a terminé en faisant plutôt des grivoiseries avec Bud Spencer et Terence Hill, qui étaient très sympathiques, que j'appréciais de voir moi dans mon enfance. Mais il y a peut-être en effet beaucoup moins de très bonnes choses que ce Grand Silence et ce Mercenario dans sa filmographie. Mais je suis ravi que voilà, ça revienne, ça ressorte encore comme les Solima qu'on a pu chroniquer dernièrement il y a quelques mois. Ça fait toujours du bien en fait de voir ce genre de choses réapparaître. Donc j'étais ravi de les évoquer. Bah, écoute, moi j'ai pas grand-chose d'autres à rajouter, donc voilà. Après, merci. Je partage complètement ton enthousiasme, et c'est surtout que oui, la dernière fois qu'on avait pu le faire, on l'avait pris sous le prisme de Franco Solinas, qui a aussi bien bossé. J'invite les auditeurs à retourner écouter ça. Pour Corbucci que pour Solima aussi. Donc, oui, parce que c'était lui aussi qui était derrière El Chuncho notamment. El Chuncho, oui, c'est ça. Donc forcément. Colorado. Il y a toujours, on ne sait pas quel fil tirer dès qu'on parle de cinéma italien. Parce qu'on sait que la richesse aussi de ce cinéma-là, c'était d'être un cinéma relativement, non pas collaboratif, c'est pas le bon terme, mais de parler là pour le coup d'un vrai écosystème sur lequel tu peux tirer sur le fil de l'acteur, du scénariste, du producteur ou du réalisateur. Oui, parce que tu c'est le même producteur que Sergio Leone aussi, c'est Grimaldi qui est derrière ça. Tu sais que ça va pouvoir être assez infini, les ramifications. Tout dépend du prisme qu'on utilise en effet. Exactement, et là tu parles d'un cinéma, d'une industrie en excellente santé, et le principal symptôme de ça, c'est que tu peux tirer n'importe quel fil et t'as toute la bobine qui arrive avec. Quoi. Sans transition, et après je te laisserai évoquer, je pense, tes séries, mais quitte à avoir lu un bouquin, je me suis dit tiens, je vais en faire quelque chose et je vais quand même l'évoquer. Il y a quelques mois, c'était fin 2002, est sorti chez les éditions Marest les mémoires de Lotte Eisner, que certains cinéphiles connaissent sans doute puisqu'elle est autrice de trois ouvrages qui ont été assez importants pour beaucoup. Le premier, c'était L'écran démoniaque en 52, qui réhabilitait l'expressionnisme allemand après qu'il ait été justement accusé d'être à l'origine quand même de mouvements fascistes nazis, même en Allemagne. Donc elle réhabilitait quand même, et puis elle théorisait énormément sur l'expressionnisme allemand. Elle a écrit ensuite sur Murnau, et puis un livre sur Fritz Lang qu'elle a bien connu. Elle est aussi connue, Lotte Eisner, pour avoir été quand même la conservatrice de la cinémathèque française de 45 jusqu'à sa mort quasiment, hein, fin des années 70. Avec Langlois, elle a participé quand même beaucoup à la création de la cinémathèque et à son expansion. Moi, je la connaissais surtout en fait parce que la cinémathèque, donc du coup la première cinémathèque mondiale, donc il faut le dire, en France. Quoi. Voilà. Elle y revient énormément, hein, dans ses mémoires. Moi, je la connaissais surtout en fait parce que Werner Herzog en a parlé et il a écrit un livre sur le chemin des glaces où il évoque, c'était au milieu des années 70, il apprend que Lotte Eisner est malade, qu'elle risque de mourir. Lui, à ce moment-là, il est à Munich, je crois. Et il se met en tête de marcher de Munich à Paris, où Lotte Eisner habite, et il se dit « si j'arrive à marcher jusqu'à Paris, elle va survivre ». Et c'est important que Lotte Eisner survive, en fait. Et sur le chemin des glaces, c'est un journal de voyage, hein. Il évoque assez peu l'importance qu'elle peut avoir, en fait, ou ce qu'elle a été pour lui. Mais voilà, c'est un journal de voyage. En tout C'était cas, un peu le Sylvain Tesson de l'époque. c'est dur ce que tu dis. Le fait est qu'en tout cas, Herzog a réussi en 3 semaines à rejoindre Paris. Et Lotte Eisner a survécu encore plusieurs années, presque 10 ans, je crois, après ça. Donc Herzog a encore sauvé quelqu'un. Quand Werner Herzog porte au nu quelqu'un comme ça, en sachant l'admiration et puis l'importance qu'il peut porter justement à des vies extraordinaires, tu dis putain, cette personne doit être intéressante quand même, quoi. Donc quand ses mémoires arrivent, tu dis ça m'intéresse quand même. Et il signe en plus de ça la préface des mémoires. Et c'est vrai, alors
elle a une vie qui mériterait d'en faire une série télé. Oui. Tu parleras de série tout à l'heure. Si certains producteurs français pas trop cons cherchent un bon sujet, les mémoires de Lotte Eisner, c'est un sujet en or où on va évoquer, donc elle naît fin 1890, voilà. Elle va connaître du coup l'Allemagne du début du siècle. Elle va se barrer une fois que les nazis arrivent au pouvoir en 1933, mais elle a quand même été la première critique femme en Allemagne à la fin des années 20. Elle devient copine Fritz Lang. Oui. Et elle a écrit L'écran démoniaque aussi. L'écran démoniaque, c'est après la guerre quand même. Oui. Ceci dit, oui. Donc, du coup, c'était une penseuse de tout ce courant extrêmement important dans l'histoire du cinéma qui était donc l'expressionnisme. Et effectivement, qu'elle a pu traiter en tant que critique à l'époque. Elle a finalement écrit un bouquin assez marquant après la guerre, mais dans lequel elle définissait le courant expressionniste comme une sorte de prophétique par rapport à l'arrivée aussi du nazisme derrière. Alors là, je répète juste les cours de cinéma que j'avais, parce que j'ai évidemment, comme tout bon étudiant, je ne l'ai pas lu. Je me suis satisfait de ce qu'en disaient les profs. Mais par contre, justement, oui, elle a eu cette importance. La période est assez intéressante parce qu'effectivement, on sait que... Encore une fois, moi, ça me fascine toujours ce truc-là, c'est que tu dis, mais comment ça se fait que cette période n'est pas plus, on s'en est pas plus emparé, plus que ça emparé par la fiction. Les débuts des années 30 allemandes, l'entre-deux-guerres, tu vois, par exemple. Oui. Quoi. Je pense c'est exactement là. Elle y passe du temps quand même. C'est vrai qu'elle a pas forcément vécu, alors qu'elle était quand même à moitié juive. Elle a pas forcément vécu tout de suite en fait les inquiétudes de l'entre-deux-guerres en Allemagne. Elle évoque très bien, mais j'invite de toute façon tout le monde à lire l'ouvrage, elle revient là-dessus et c'est le moment en fait justement où elle commence à devenir critique de cinéma. Et il y a deux trois points quand même que je voulais évoquer au-delà de sa vie romanesque, parce que du coup pour faire vite, elle fuit l'Allemagne parce que elle est pas elle veut fuir l'horreur en 33, hein, donc elle arrive en France, mais en France elle va se faire interner quand même. C'est à Gurs, je crois, le camp de Gurs, camp d'internement pour justement les femmes allemandes. Donc elle va se retrouver internée alors qu'elle a fui l'horreur nazie. Elle se retrouve en France sous l'occupation et c'est abominable. Donc elle raconte tout ça mais elle parvient quand même, grâce à Henri Langlois, à se cacher. Pendant qu'elle se cache, elle continue à bosser pour la Cinémathèque parce qu'elle est en train de trier des pellicules, plein de pellicules. Il a planqué Henri Langlois pendant la guerre dans différents endroits, notamment des châteaux planqués, des tonnes de pellicules. Donc elle s'ennuie pas. Elle est en train de trier, de classer toutes les pellicules. Elle passe l'occupation et puis sa cachette, elle le fait comme ça. On veut voir un film là-dessus, quoi. C'est ça. Non, mais c'est une aventure. Enfin, c'est horrible tout ce qu'elle vit, mais en même temps voilà, ce qui l'a fait survivre, c'est le cinéma quand même. Elle peut pas voir de films, mais elle regarde des pellicules, ça machin quoi. À la sortie de la guerre, c'est pas la fête encore pour les Allemands, hein, et elle va rester vivre en France jusqu'à la fin de sa vie quand même. Et puis après la guerre, donc comme tu l'as dit, elle va écrire ce livre L'écran démoniaque. Elle va aussi énormément aider en fait, et c'est pour ça qu'Herzog finalement voue un culte à cette personne. C'est que le cinéma allemand après guerre, c'est pas la fête. Ouais. Et en fait, personne ne s'intéresse vraiment au début des années 70 encore à la nouvelle génération de cinéastes allemands que Herzog, Wenders et d'autres. Et c'est elle, très tôt, qui va, quand elle va voir le premier long métrage de Herzog, elle dit, c'est un vrai cinéaste, c'est important. Et il y a une nouvelle génération qui arrive et il faut y prêter attention. Et personne ne voulait la croire. Elle a aidé, elle a écrit, elle écrivait dans les cahiers du cinéma, tout ça, machin. Donc voilà, elle a aidé énormément ça. Elle a aussi aidé notamment à la naissance de Nouvelle Vague. C'est elle qui organisait les séances avec Langlois. Elle a vu Truffaut tout petit déjà, elle a accompagné Truffaut pendant toute sa... Bon bref. C'est une histoire fascinante. J'invite vraiment tout le monde à lire ses mémoires, c'est romanesque et ça mériterait une série. Bien faite, si possible. Il y a deux points qu'elle évoque pour finir, parce que je vais faire court et je vous invite de toute façon à lire le bouquin. Qui m'intéressait, moi, quand elle évoque le travail de critique. Enfin, elle ne se considère pas vraiment comme une critique, mais bon, il y a deux choses qui m'intéressaient, parce que c'est vrai que... Bon,
La première, c'est dans sa première période de critique, l'une des premières choses qu'elle va faire, c'est assister au tournage. Elle va aller regarder Fritz Lang travailler. Et donc, elle évoque tout ça dans ses mémoires, justement, une nuit pendant un tournage de Fritz Lang dans une forêt. Comment est-ce qu'il travaille ? Elle le regarde travailler. Et elle, elle considère que c'est important pour un critique de voir comment un film se fait, comment un cinéaste travaille. Voilà, ça, c'était une de ses premières idées. Et la deuxième idée, et c'est là que ça devient intéressant, à propos de son livre justement sur Fritz Lang, elle était amie avec lui, elle l'a vu travailler, elle connaissait tous ses films vraiment sur le bout des doigts. Et en fait, elle considère que son bouquin sur Fritz Lang, qui est considéré par tout le monde un peu comme l'œuvre majeure sur le cinéaste, était raté parce qu'elle était trop proche de lui. Elle était amie avec lui, elle manquait de recul en fait. Et elle considère que son livre est raté à cause de ça, en fait. Elle a manqué de recul et un critique ou quelqu'un qui écrit un essai sur le cinéma devrait toujours avoir du recul, en fait, et ne pas être trop investi, en tout cas avec quelqu'un. Voilà, c'était deux idées qui, moi, sont ressorties, en tout cas, sur son travail de critique. Et la dernière, pour un petit peu donner du grain à moudre à ses mémoires, c'est qu'il me semble quand même qu'elle évoque là-dedans uniquement les éléments fondamentaux pour elle, en ce qui la concerne, en tout cas de l'histoire du cinéma, et elle se présente comme un témoin, hein. Mais elle laisse de côté en fait d'autres rencontres qu'elle a faites qui me semblaient moins importantes, et j'aurais aimé qu'elle en dise plus. Et il y a un annexe quand même au livre de l'édition Marest, une interview qu'elle avait donnée un peu avant de mourir, je ne sais plus comment elle s'appelle, où elle évoque justement une ou deux autres rencontres importantes, et notamment son amitié avec John Ford. Elle était aussi amie avec John Ford, elle allait chez lui à Los Angeles, des choses comme ça. Mais en fait, dans ses mémoires, elle n'a pas jugé bon, utile d'évoquer tout ça. C'est-à-dire pour montrer aussi qu'elle a écrit des mémoires à un certain âge, elle est très très loin du name dropping ou de se faire mousser ou des choses de ce genre. Et ça se ressent, enfin, elle a vraiment, il y a quelque chose de romanesque sans être putassier, en fait. Ouais, ouais. Et j'invite vraiment, j'ai été happé par cet ouvrage. Voilà. Il nous reste quelques minutes avant la fin. Quelques minutes à peine, je te parle de 3-4 minutes. Est-ce que tu te sens prêt à évoquer peut-être un film dont tu as vu le premier quart d'heure cette semaine ? Pop, que choisir ? Je voulais pas te lancer sur une série. Tu as regardé Last of Us, tu as regardé d'autres séries. Il te faudrait peut-être plus de 3 ou 4 minutes pour évoquer tout ça. Je sais même pas. Ça. De toute façon, c'est autant de trucs sur lesquels j'ai pas des masses de trucs à dire. Après, je peux faire un petit point sur des... Moi, j'étais un petit peu déçu de tous les films que j'ai pu voir, en tout cas dernièrement. Bon, évidemment, on a fait il y a pas si longtemps que ça un film sur The Fabelman, donc ça nous excuse directement. Enfin, ça m'excuse. Excuse en tout cas de paraître pour un gros con dans les dernières minutes qui restent, mais effectivement sur les trucs français que j'ai pu voir principalement, et puis même américains, parce que même si je mets Tar dedans, qui mériterait qu'on en parle plus, mais moi je trouve ça nul, et le Chien Malade, c'était la grosse déception. Mais bah oui, en fait, moi les derniers trucs que j'ai vus, que ça soit le Goutte d'or de Clément Cogitor ou Mon Crime de François Ozon ou Comme une actrice de Sébastien Bailly, je crois, ce sont les derniers films que j'ai vus en salle. Et heureusement qu'il y a le Spielberg qui est sorti. Quoi. Oui, c'est ça. C'est que là, je suis un peu dans ma période. Je dis, oh putain, c'est chiant, quoi. C'est pas bon. Ça donne pas envie. Contrairement à l'année dernière, où, comme vous le savez, si vous nous suivez, en tout cas, moi, j'avais l'impression de voir régulièrement des bons films. Là, je suis dans ma période où je me dis, putain, vivement le prochain film que je considère juste comme plutôt cool, quoi. Mais juste pour dire un mot du film peut-être le plus intéressant. Enfin, en tout cas, Cogitor, je pense qu'on en a vraiment jamais trop parlé. Mais moi, ça me paraît être une voie assez intéressante du cinéma, en tout cas que je considérais comme plutôt intéressante dans le cinéma français, et qui fait partie de ces cinéastes qui sont apparus, qui viennent non pas du monde du cinéma, mais du monde de l'art contemporain, et qui est un cinéaste qui avait fait Entre le ciel et la terre. C'est ça, ni le ciel ni l'enfer. Entre le ciel et la terre, c'est Oliver Stone. C'est ça, voilà. Donc c'est ni le ciel ni l'enfer. Peut-être, moi j'ai peut-être pas vu celui-là. Bref, en tout cas, un film avec Jérémy Régnier, me semble-t-il. Il avait fait aussi Braguino, qui était un documentaire. Il avait fait des mises en scène de théâtre, me semble-t-il aussi. Mais c'est d'opéra quelqu'un qui navigue un petit peu dans le monde culturel et tout ça. Et moi, sur lequel je misais un petit peu, parce que c'est vrai que son film de guerre, là, Ni le ciel ni la terre, entre l'enfer et la mer, ou je sais pas quoi, là, ça m'avait plutôt plu, parce qu'il y avait une sorte d'originalité de faire un film de guerre.
un peu fantastique, un peu mystérieux, qui me paraissait être comme une sorte de d'espoir sur le rapport que le cinéma français peut entretenir avec la fiction, que ce soit le film de guerre en l'occurrence là, et puis un certain rapport au fantastique, et être suffisamment assez affranchi de plein de règles du genre pour être assez intéressant. Et là, moi, son nouveau film Goutte d'or me fait remettre en perspective tous les petits espoirs que je pouvais mettre dans ce cinéaste là, parce que je me dis en fait peut-être que ce type là c'est aussi un type qui a aussi tous les reproches que je peux faire sur le peu que je sais de l'art contemporain, qui est un art d'installation, de déclaration d'intention, et que j'ai l'impression que peut-être que j'aimais bien le fait juste que Cogitor, que ça soit super cool qu'un cinéaste français aille faire une sorte de documentaire un peu fictionnalisé dans la toundra russe et fasse juste un film de guerre avec des acteurs bien français ou bien en tout cas franco-belge en l'occurrence, et avec une lisière de fantastique, et que j'aimais bien juste la déclaration d'intention, et que les films peut-être n'étaient pas si bien que ça, parce que Goutte d'or, c'est une catastrophe, quoi. Il est temps, merci Antonin, de se quitter avec quelque chose peut-être qui correspondra avec tout ce qu'on a pu raconter aujourd'hui, à savoir un extrait du Sens de la vie avec une belle explosion. Merci à vous de nous avoir écoutés, pas d'annonce particulière à faire, de toute façon, tout plein, les gens peuvent nous écouter et retrouver les informations sur les réseaux sociaux que tu utilises, l'émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B. On se quitte avec un extrait du Sens de la vie des Monty Python. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. Fan et monsieur, a wafer thin mint. Bah. Oh, sir, it's only a tiny little thin one. Ah, fuck off, I'm full. Oh, sir. It's only a wafer thin. Yeah. I couldn't eat another thing. I'm absolutely stuffed. Bugger horse. Just one. Just one. Just the one, sir. Voila. Bon appétit. Thank you.